Et bienvenue à tous et à toutes, mesdames et messieurs, dans cet épisode bonus des aventures de Petit Micasto, qui est techniquement l'épisode 13, si on compte pas les épisodes bonus. Je crois qu'on a fait l'épisode 10. Déjà, en vrai, ça passe super vite. Et là, on va sur le 11. Alors, celui-ci sera le 10.1. Du coup, on va dire ça comme ça. Et aujourd'hui, on va s'occuper d'un truc. Alors oui, je suis à la foire de Sombreline, forcément, parce que, comme je vous ai dit, j'essaye d'avoir tous les insignes de la fosse. J'en ai pas mal, d'ailleurs. Regardez, j'ai bien travaillé. Regardez-moi ça. C'est pas beau. Il y en a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il m'en manque encore un petit peu. Il m'en manque 3. Sachant que c'est toutes les 3 heures, j'ai chopé celui à midi, il faut que je chope celui à, du coup, bah, à 3 heures plus tard, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc peut-être ce soir, pour 21h, j'aurai tous les insignes, si j'en rate pas un. Il y en a d'autres qui essaient de le choper aussi, hein, évidemment, donc bon, c'est... Comme j'ai dit, maintenant que j'ai level up, c'est un peu plus compliqué de choper les insignes, parce qu'il y a beaucoup plus de gens à la foire de Sombre-Lune. Mais on va y arriver, je pense très sincèrement qu'on va y arriver. Pourquoi j'ai la map comme ça? The fuck? C'est pas grave, je suis passé. Bref, aujourd'hui on n'est pas là pour ça. Aujourd'hui on est là pour monter la réputation de Spurgar. Et on va s'en occuper parce que ça va nous servir à terminer, enfin, une bonne fois pour toutes, la zone du coup du marécage. Et ben on sera très content, hein, on sera très très content. Parce que c'est vrai que c'est con de ne pas avoir le haut fait juste à cause d'un petit truc, comme ça. Allez hop, on est parti. Donc ça va être du farm pur et dur, assez bourrin. D'ailleurs, tant que j'y suis, je vais faire un truc avant qu'on y aille. Voyons, est-ce que je peux vendre des trucs intéressants là? Il n'y a pas de prix en vente pour ça, on va le mettre à 75 000. Je veux dire quoi, Goldor, t'es fou? Non. Ça, 10K. Ça, ouais, 700 balles, pourquoi pas. Ça, on va le mettre à 25K. Faut pas hésiter à mettre à bombarder les prix, hein, mesdames et messieurs. Ne jamais descendre les prix. Fendeuse, on va la mettre à 25K aussi. Bonjour le petit bonhomme. Monocle 10K, ok. C'est des beaux prix, hein, vous avez vu, c'est des beaux items. C'est des trucs qu'il y a en banque que j'avais mis de côté pour vendre dans la banque de guild là et j'essaye de les vendre petit à petit. Ok, let's go. Allez, on y retourne. J'ai pas mis les montures en favori, hein, bien sûr. Lol, vous connaissez, j'oublie toujours tout. Putain, JPP, hein, ce Good Golter là. Et donc on est level 42, on a pris beaucoup de boosts d'XP bah, grâce au repos, plus notre stat héritage qui nous permet de vraiment faire en sorte que ça diminue quasiment jamais. Donc faut faire attention, hein, ça monte très vite. Même si pour l'instant je m'en fous. Pourquoi je suis encore en PVP? Pourquoi je suis en JCJ? Ah, parce que j'étais rentré dans l'arène. Et ça te met en JCJ. Attends, quoi? Ben non. Si, peut-être. Je sais pas. Pourquoi je suis encore en JCJ? Je ne sais pas. Bref, ce sont des choses qui arrivent. J'ai tapé des gens, oui, un peu, vite fait. Des gens qui étaient dans l'arène. Bon, voilà. J'ai pas réussi à faire le slash serré, je voulais le offer. Un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder la réputation de Spurgar. Et on va la mettre en barre de réputation. Que je n'ai pas d'acti. Ah, si. Mieux ce qui me semblait. Je l'avais activé quand même sur les autres profils. Et donc là on va spammer. Notre but est de monter, bah, je pense qu'on va essayer de monter exalté, hein, tant qu'à faire. Et pour ça il va falloir qu'on tabasse des trucs là-bas au fond. Et qu'on ramène toutes ces conneries là. Je sais pas si c'est des morceaux de plantes ou les chapeaux luisants, je ne sais pas trop ce qu'il veut. On va vérifier. Et donc pour ça, bah, pas de mystère, hein, il faut tabasser les mobs, hein, qu'il y a sur place. Comme des gros bourrinos. C'est du farm un peu bête et méchant, mais bon, il faut le faire. Et c'est pour ça que les épisodes bonus existent. Vous allez me dire, en fait, ça n'a rien à voir parce que tu peux quand même le faire dans un épisode normal. Ouais, mais ça fait plus de WoW. Voilà, c'est tout. Argument, voilà. Plus de WoW. Donc, imparable. Allez, hop. Je me suis fait... Genre, je savais pas trop quoi faire. J'ai hésité entre un café et un thé. Bah, j'ai fait les deux. Dans la vie, vous savez, hein. Faut pas s'emmerder. Faut vraiment pas s'emmerder. Alors je les bois pas en même temps évidemment, hein, pas déconner non plus, mais je suis en mode, ah, il faudrait un truc là, un petit café là pour me remettre d'aplomb, mais un petit thé ça fait trop du bien aussi, donc du coup j'ai fait les deux et puis voilà, je serai à moitié réveillé et à moitié endormi. Bon allez, on n'est toujours pas
arriver au truc là pour augmenter encore tous ces dégâts là. Mais bon, c'est vrai qu'on peut prendre ça. On m'a dit, ouais, Goltor, pour les maîtrises des bêtes, il faut prendre tout ce qui augmente les dégâts du familier. Alors je sais, hein, évidemment, je sais, sans aucun souci. C'est juste que j'ai la flemme d'avoir plein de sorts. Voilà. J'ai pas envie d'avoir 50 000 sorts, donc je suis en mode, oh, on joue 3 touches, quoi. Mais en vrai, il faudrait que je prenne ça à courroux bestial, parce que c'est juste beaucoup trop fort. Parce qu'on augmente les dégâts de tout le monde, c'est extrêmement énervé, donc bon... Donc en vrai, voilà, mais flemme. Donc flemme, on joue un chasseur qui a la cagne. Un chasseur qui ne veut pas bouger et qui veut juste appuyer sur ordre de tuer. Voilà, 3 boutons, c'est largement suffisant. En plus, si après on récupère les chakrams, ça fera 4. Ouais, c'est bon, 4 boutons, donc vous vous rendez compte? 4 boutons! Ouais, mais ça va, j'ai passé l'âge, hein, je suis vieux. Hein. Déjà, j'appuie sur un bouton, c'est bien. Alors 2, je vous en parle même pas. 3, j'en peux plus, c'est pour ça que je prends du café. Donc 4, vous voulez ma mort, hein. Non mais bien évidemment que non, hein, évidemment, ne suivez pas ce que je suis en train de faire. Comme je vous ai dit, moi c'est juste par pure flemme que je fais ça. Et parce que j'ai pas envie de me prendre la tête. Mais oui, prenez tout ce qui augmente les dégâts des familiers. Prenez du contrôle. Prenez prenez des trucs du genre, parce que ça va vous permettre de beaucoup plus facilement avancer et de sauver votre cul, plutôt que d'être en mode bon, on tape sans plus. Mais voilà, donc c'est les sacs de sport et plus de vrilles. J'ai des vrilles. Donc c'est les vrilles et les sacs de sport. Nickel, c'est aucun des deux trucs que j'ai récupéré. Donc on est trop content. Mais c'est pas grave, on va les tuer. Et on va récupérer tout ce qu'ils ont sur eux. On va faire un petit tour, je pense. Nettoyer la zone. Et une fois que c'est fait, revenir rendre tous les objets. Et faire comme ça en boucle. En boucle là. Petit sac de sport. Hop les. Je sais pas par combien il les veut. Par 5, par 10, par 30, par 1000. Si c'est par 1000, on va pas se mentir, ça va être un peu chiant. Mais non, mais je sais plus par combien il les veut. Donc on lui filera tranquillou. Au fur et à mesure. En plus, il me semble que dans mes macros, j'ai le cast du courroux bestial. Hein. Non, j'ai ordre de tuer, pète attaque, détournement. Ça, c'est chakram, bête féroce, effusion de sang, courroux bestial. Ouais, j'ai bien le courroux bestial de toute façon. Mais le courroux bestial, on pouvait pas le mettre en plus de tout ce qu'on avait déjà dans la macro. Il y a les macros, elles sont limitées par nombre de commandes pour éviter que tu appuies sur un bouton et que tout se fasse, hein, évidemment. Mais donc du coup, t'es obligé quand même d'avoir une limite au niveau des commandes. Après, bon, ça ne sera jamais aussi efficace que de jouer des sortilèges soi-même. Je vous le dis tout de suite, hein. Avoir des commandes qui font les trucs en automatique, c'est bien, mais c'est pas forcément mieux. Moi, par exemple, mon cast automatique de détournement, bah, c'est pas le meilleur truc à faire. En vrai, il vaudrait mieux que je le garde pour le faire dans des moments décisifs où c'est un peu la merde, où t'as besoin de rediriger l'aggro. Là, je le mets en automatique. Tout ce qui est automatique, de toute façon, dites-vous, c'est pratique, mais c'est pas le plus optimal. Clairement pas. C'est un peu comme le... Pour vous donner un exemple, pour celles et ceux qui ont fait du PVP, c'est comme si vous preniez l'objet qui vous sort automatiquement du premier contrôle que vous subissez. Il y a un bijou comme ça en PVP. Dès que tu te fais étourdir, mais poup, ça te sort automatiquement. C'est bien, mais c'est vraiment pas bien non plus. C'est bien parce que c'est pratique, mais c'est vraiment mauvais. Parce que par exemple, tu tombes sur un voleur, il te met son petit coup de massue derrière la tête qui te met hébété. Si ça claque ton bijou, donc le truc automatique, bah t'es foutu derrière. Hein. T'es foutu derrière parce qu'il va te sauter dessus, il va te remettre des contrôles et terminé. Tu pourras plus t'en sortir. Donc là, même principe. Moi j'aime beaucoup cette macro, enfin ces macros que j'utilise parce que bon, ça simplifie la vie. Et puis à mon niveau de jeu, bon, voilà, on va pas se mentir, c'est plus pour du confort qu'autre chose. Et ça ne change quasiment rien. Est-ce que je pourrais être meilleur sans faire ça? Largement. Est-ce que vraiment ça ferait une différence? Non, pas à mon niveau de jeu, du moins. Pas avec ce qu'on fait là, quoi. Même en donjon héroïque, bon voilà quoi, c'est vraiment pas... On va pas se mentir, c'est vraiment pas quelque chose qui fait la différence. Par contre, dès que vous commencez à taper un peu plus haut, dans les raids et tout, même les raids en difficulté normale, hein, toujours très appréciable de bien gérer ses sorts pour aider son tank, son soigneur, enfin tous ces trucs là quoi. Si vous êtes DPS évidemment, là on parle du chasseur maîtrise des bêtes, donc
Je doute que vous soyez healer. Après, qui sait? Qui sait avec des esprits des bêtes Oh putain, d'ailleurs, il faudrait que j'aille dompter les esprits des bêtes. C'est vrai que je l'avais noté, ça, dans un épisode bonus. Partir à la recherche des esprits des bêtes pour les dompter pour la collectionnite aiguë. La collectionnite. Il y a beaucoup d'esprits des bêtes qui sont très très sympas à avoir. Et qui sont très rares à choper, puisque c'est des mobs rares, évidemment. Donc toujours pareil, il vaut mieux essayer de les choper pendant qu'on est phasé à bas level. Ça veut dire qu'il y a peu de gens sur ces maps-là. Que aller les chercher à très haut level, enfin level max, une fois que ça y est, tu n'es plus phasé. Parce que là, tu vas tomber sur tout le monde. Et tout le monde sera en train de les récupérer. Surtout que chasseur, c'est quand même une classe qui est plutôt bien représentée. Donc, par bien représentée, je veux dire pas mal jouée. Hein. Il y a beaucoup de gens qui jouent chasseur, donc... Donc ce serait un petit peu con, quoi, de se les rater, alors que là, ils sont gratos. On se fera ça. Je sais pas quand, mais... ça arrive fort, quoi. Comme un peu tout ce que je vous dis, hein. Tout ce que je vous dis qui arrive fort sur la chaîne, vous savez, ça arrive très fort, quoi. Ça arrive vendredi. Après, quel vendredi, de quelle semaine et de quelle année, ça, c'est autre chose, mais... Ah, il en veut 6. Ok. J'en ai encore pour toi. Ah non, il veut plus. Oh, le bâtard. Ah ouais. Vous savez quoi? On va faire ça là, hein, dans cet épisode bonus. Hein. L'épisode bonus, ce sera... on finit... Réputation Sport Gare, hein, je vais l'appeler un truc comme ça, hein, je sais pas trop, hein, vous l'avez vu dans le titre, hein, de toute façon, mais moi je sais pas encore ce que je vais mettre. Tant pis, hein, ça fera un mi-épisode bonus, mi-quête, mais on n'a pas trop le choix. Hein. Parce que là il veut plus des vrilles, petit BTR. Pourquoi il veut plus des vrilles? Moi je vais être exalté là! Tant pis, hein, on va faire des quêtes, hein, on s'en fout. Ou alors je le retransforme en épisode normal, et ça c'est l'épisode 11. Je sais pas encore. Vous verrez, ce sera la surprise. Attends, lui il veut des trucs, lui. Qu'est-ce que tu veux, toi? Des sports fertiles. Ne pas s'énerver. Qu'est-ce qu'on a à faire, là? Esclavagiste tué, arche de... Ah, il y avait un mur ici. Il y avait un mur. Je vais finir par faire... Bon, c'est un épisode de... Comment ça s'appelle? Des aventures de petits mécasto, bonus ou pas? Pfff, Osef. Ça, tu pif. Le temps qu'il trouve des excuses juste pour jouer à fond à WoW. Et encore, je joue pas autant que je le souhaiterais. Mais bon. Je vais essayer de prendre plus de temps pour le faire. Et 10 minutes d'autres trucs que je fais à côté. En plus, on a la quête où il faut tuer les 250 monstres pour la force de son bolune, là. Où il faut prouver notre force. Avec les trophées macabres. Bah allez, hein, c'est parti pour le massacre, hein. Let's go, hein. C'est marrant parce que ça m'en donne plein encore de ces trucs-là. Après, c'est des morceaux qu'on peut aller échanger auprès de la... Comment ça s'appelle? De eux, là-bas, là. Là, à Tel Redor. Je me rappelle plus. La faction, c'est... Le cercle scénarien? L'expédition scénarienne. Expédition scénarienne. Si je dis pas de conneries, hein, c'est possible, hein, que je me trompe, mais... Normalement, c'est ça. Expédition scénarienne. Allez hop! Le bon gameplay de nettoyage. Ah, pas mieux toi de me jeter des sorts! Triche! Il lance des sorts! Là, vous êtes nombreux là par contre. Vous êtes nombreux. Hop là, full vie. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Mourir. C'est tout. Je joue un chasseur corps à corps. C'est une nouvelle méta. Quoique non, hein, y a le chasseur survie.
Oh là là, qu'est-ce que j'aimais le chasseur survie de l'époque. Comment j'aime pas celui d'aujourd'hui. Il est très fort, hein, c'est peut-être même un des meilleurs chasseurs. Enfin, c'était un des meilleurs chasseurs, parce que maintenant, bon, je suis plus trop renseigné hein, sur les méta haut level. Hein. Je le redis encore une fois, mesdames et messieurs. Quand je dis que c'est moins fort, toujours pareil, je parle à très haut niveau. Hein. Nous, pour chasser des nagas, voilà quoi. Quand je dis nous, c'est des gens comme moi. Hein. Je dis pas que vous faites la même chose, peut-être, mais... C'est... Voilà. Les personnes qui jouent comme moi sont toutes complets hein, d'être avec un perso qui a pris 3 ou 4% de buff ou de nerf. Ça ne nous intéresse pas, ça va rien changer. Par contre, pour les autres personnes, ouais. Pour les personnes qui jouent à très haut level avec vraiment une optimisation aux petits oignons. Je sais plus ce que ça vaut, mais pendant très longtemps, le chasseur survie était vraiment, 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 vraiment OP. Juste à cause de l'IA des familles qui est toujours très emmerdante. C'est ce qui est généralement problématique hein, quand tu fais du gros savatage de haut niveau. Qu'est-ce que j'ai à faire ici? Arche de Slitten apportée à truc. Mais elle est là, la Slitten, non? Elle est où? Quoi? Je comprends un peu, là. Qu'est-ce qu'il y a à faire, là? J'ai pas tout suivi. Vu que je lis pas les quêtes, forcément, ça aide pas. Mais comment s'appelle cette quête, là? Wouah, écrabouillé. Arche de Zit à rapporter. Donc voyons, escorter foire près de la pompe à vapeur. Ah oh. Ouais, mais il y a un petit problème du type... Je l'ai pas escorté. Donc ouais. Il est où? T'es où Marcel? Bon village hein, j'imagine. Mip. Au village. Il est où Fouop? Enfin foire. C'est qui foire? Vous savez quoi, on va faire un truc. Abandon. On va la reprendre. Elle est où la quête? Fuck, elle est pas là. Ah non. Ah non. C'est là-bas. Non, je voulais pas. Je me suis trompé. Enfin, je pas me suis trompé, mais m'avez compris. C'est toi qui me donnais la quête? Non. Mais merde alors. Quoi? Mais... Hein? Bah elle est là, je la vois. Je suis trop con, je l'ai raté. Je l'ai pas vu sur la map. Pourtant j'ai le détecteur, j'allais dire. J'ai un détecteur de quête. Oui, ça s'appelle une carte. Tout à fait. Gros débile. Je vous permets pas. C'est toi? Non. Bah écoutez, la quête, elle n'est pas... Ah! Il est là. Ok. C'est bon, je t'accompagne. Vas-y. Faut repartir maintenant. Petit Mikasto, chercher Arche, revenir. Quoi? Ah, ok. On l'escorte, c'est parti. Les petites quêtes d'escorte, hein, toujours un plaisir. Non. Mais Je l'ai déjà dit très souvent, mais c'est vrai que encore aujourd'hui ça va, mais l'époque où les PNJ marchaient là, là c'était pas un café, hein, tu te faisais carrément les vieilles cafetières, hein, les gros trucs là, remplis. J'arrive plus à trouver le nom, mais non, c'est pas un vase, Goltor, ça s'appelle hein, un seau non plus, une baignoire non plus, quoi qu'une baignoire de café peut-être en fait, mais parce que maintenant bon, quasiment tout le monde hein, je dis bien quasiment, tout le monde a des machines à café instantanées, les Senseo, Dolce Gusto, Tutti Quanti là. Prendre un moment, se préparer. Non mais moi être préparé, toi pouvoir avancer pour taper dans la bouche. Hein. Mais ouais, mais avant, bah, y avait les grosses cafetières que j'avais eu pendant très longtemps. Hein. Je suis passé aux cafetières instantanées, on va dire, depuis pas si longtemps que ça. Ça fait à peine quelques années. Et t'avais toujours ce fameux truc où il fallait faire très attention en lavant...
la cafetière, parce que tu pouvais la péter. Combien j'en ai pété des cafetières, laisse tomber. Il fallait changer les filtres et tout, comme le sacro-saint moment où ils ont inventé les filtres réutilisables, lavables, là, t'es en mode... La personne qui a fait ça a été juste la personne la plus intelligente au monde. Et donc voilà, tu te faisais une cafetière complète, hein, avant de pouvoir escorter des PNJ, parce qu'ils marchaient comme ça, voilà. Imaginez ça depuis tout là-bas. Voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà, 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 là, 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 là. Ouais, c'est quelque chose, hein, ouais, on s'emmerde. Oh, oh, je vois pas pourquoi vous êtes en train de dire ça. Oui, non. Eh merde, je suis en train de taper tout le village. Bon, après, est-ce qu'il mérite pas le village? Moi, je pense que si, en fait. Mais, ouais, on va changer les sorts, ça m'emmerde. Bon, c'est un épisode normal, en fait, hein. Du coup, c'est l'épisode 11. Voilà. Parce que là, je vois qu'on est en train de bien quêter. Je pensais qu'on allait faire un épisode où on allait juste farm et tout, mais en vrai, on quête beaucoup, donc... c'est pas grave. De toute façon, ça vous change pas grand-chose. C'est juste que... il va y avoir... plus de WoW, donc. Pour vous, vous êtes contentitude. Meurs! Engeance aquatique! Démoniaque aussi. Les deux en même temps. Bon, t'as pris des dégâts? Non. 13 KPV en même temps. Bon, je pense que personne va lui emmerder. Personne va lui emmerder. Personne va lui chercher des noises et personne va l'emmerder. Donc j'ai fait un mélange. Personne va lui emmerder. Tu vas où? Cherche un endroit un petit peu plus... moins profond pour passer, c'est ça? Non, il se barre. Je sais pas où il va. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas là-bas, visiblement. Ils sont chiants, ces esclaves, là. Allez, 147 sur 250. On avance bien. Hein. Ça me fera toujours rigoler. Regardez, attention, hop là, il repart en arrière. Voilà, pour repartir en avant. L'intelligence artificielle pour les le passing, comme on dit. Le fait de sélectionner le chemin sur lequel il passe pour pouvoir aller d'un point à un autre a toujours été spécial, on va dire. En vrai, elle est pas spéciale, elle est vieille. Faut être gentil avec ce jeu, c'est un vieux jeu. Quasiment 20 piges, déjà. Donc c'est pour ça que le perso il avance, il va là où on est censé partir, puis il revient, et puis il repart. Comme ça moi il se plante pas. On a gros la map. Ouais, va falloir que je change un petit peu mes sorts là, parce que ça me plaît pas ça. Enfin, ça me plaît si. Pour jouer la main dans slip, mais. Si je veux commencer à pouvoir faire un petit peu plus de trucs là, on est limité quand même. Level up. Alors. On va prendre ça, hein. Or, tu as 10% de chance de mettre fin en temps de recharge le tir mortel et de le rendre instantané et gratos, peu importe les PV de la cible. Si je suis complètement pété. Parce que quand t'as ça qui part là, t'es plutôt content. Il est gros? Bien sûr qu'il est gros. Voilà. Bon allez, ramasse l'arche là, c'est ça? Ah oui, c'est ça. Allô? C'est bon? Faut que je le ramène pour faire demi-tour. Ah, il y a des PNJ pas contents. Ouais. Ils sont pas contentitude. Oui, j'ai vu. Ah, ce qui veut dire que regardez. petit engagement sympathique. Au tir mortel, ça fait toujours plaisir. Putain, on en a des plantes. Hein.
Putain, mais faut vraiment que je le ramène à la base là? Oh là là. Bah allez hein. Let's go hein. En fait, ouais, il faudrait que je le retravaille. Rien que récupérer courroux bestial, 25% de dégâts supplémentaires, c'est vraiment pas mal. L'activation de courroux bestial confère 0 charge de tir acéré. Ça, ça fait plaisir, ça. C'est un bug hein, d'affichage, bien sûr. Mais attention, ça vous confère rien. Ça, c'est chiant, par contre, on a un temps de recharge. En vrai, c'est bien, mais pas tant que ça, vu qu'on a 10 secondes. Quoique, ça veut dire qu'on a toutes les 10 secondes. Ouais, je sais pas. C'est surtout pratique pour les boss. Ou alors, il faut que ça reset à chaque fois. Enfin, faut qu'on arrive à spam, de toute façon, l'ordre de tuer. Allez! C'est là qu'on regrette de ne pas être prêtre et de ne pas pouvoir lui mettre des plumes. Paladin pour augmenter la vitesse. Ça, ça marche pas, hein. Bah non, c'est perso ça. Ouais, votre vitesse. C'est l'aspect de la meute, mais je crois que c'est enlevé l'aspect de la meute depuis longtemps. Peut-être une glyphe? PVP? Non, j'ai pas l'impression. Peut-être à plus haut level. Attendez, je regarde. Hein. Je connais pas assez chasseurs. C'est pour ça qu'on en a refait. Hein. J'ai très peu joué. Non, je déconne, sûr. Ouais, non, y a pas. Hein. Précis, peut-être. Précis, c'est bien aussi. Mais je trouve dommage de pas jouer avec les familiers. Survie. Non, je vois pas. Je vois pas. Ah, bonjour. Allez, tu dégages. Voilà. On fera un petit peu un arbre de talent un petit peu plus énervé. Naga tout mou. Enfin, Naga surtout mort. Hein. T'es bon? T'as fini de te renifler les dessous de bras là? Non, visiblement pas. Ah, ça y est, il court. Putain, enfin. Bon, ça va, il aggro pas les petits... Les petites libellules, là. Enfin, les grosses guêpes, plutôt. Petite différence entre libellules et guêpes, mais... Ah si, je pensais pas qu'il allait combattre avec moi. J'ai testé là, mais en fait, si. Ah mais c'est bon, on peut rendre la quête. Ah non, ah non, c'est pas bon, on a encore le marqueur là. Trop facile. Allez, 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 allez. Toujours pas. Ah, il a posé l'arche sur le sol, c'est marqué. Ah c'est bon, on la voit. Non mais... C'est bon? Ah voilà, mais putain! Bref, quoi? Qu'est-ce qu'on prend? Arme d'ast? Dégueulasse? Ou un bâton? Dégueulasse. Je prends... Ce qui vaut le plus cher. Terminer 25 quêtes. Impeccable. Ça fait avancer le truc du comptoir. Ah mais voilà! Ah bah ça y est, c'est terminé! Oh bah d'accord! Ah bah c'était la fin de, du truc des marécages. Bah alors comment on fait pour monter la réputation? Bah si, il y a d'autres quêtes en fait. On prend pour un con.
Il veut des sports fertiles. C'est tout? Y'a que ça à faire là? Toi tu veux quoi toi? Toi tu me parles pas parce que j'ai pas assez de... Ouais. Ben du coup, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je... Ça se ramasse où ces trucs là de con? Là? Non, ça c'est des chapeluisants. Après ça vaut des sous, mais c'est pas ce que je cherche. En vrai, au pire... Ouais, sport fertile. Au pire, je fais comme j'ai dit au début, et puis tout compte fait, non, ça reste un épisode bonus, et puis... le truc qui change toutes les deux secondes. Ah non, j'ai ça encore à faire. Mais non, mais voilà, mais c'est bon. Ok, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Et ben voilà pourquoi il y a le marqueur de quête. D'accord, donc alors, après en faisant ça, c'est terminé. Y a plus rien à faire ici. Bizarre, hein. Bizarre, bizarre l'ambiance ici. C'est que des trucs dans l'eau? Non, c'est là. Ok. Ok, ok. Ben ouais, hein, ce sera juste un... Comment ça s'appelle? Un truc où on n'a pas besoin de monter plus la réputation. Je croyais qu'on devait faire plus que ça, mais... Monter exalté ou autre, mais visiblement pas du tout. Vraiment pas du tout. Écoutez, je sais pas, vous verrez bien, hein. Voilà, un décimal. Je sais pas, donc vous le savez, vous avez vu ça sur le titre, moi je suis pas encore décidé, donc on verra bien. De toute façon, comme je dis, ça change rien. Ouais, là par exemple, je manque d'AOE. Là c'est chiant quand j'ai plein de mobs sur la tronche. Allez hop. Tiens, toi tu prends ça dans ta tronche. 4 sur 12. Et encore, on n'est pas. Merde, comment s'appelle la zone? Anagran, voilà. Parce qu'Anagran avec Nezingwari là, quand on va avoir des petites quêtes où il faut tuer 45 mobs là d'affilée, oh, aïe aïe. Oh le plaisir. Le plaisir de génocider des maps là pour une quête. On a combien maintenant? 14 d'agilité grâce au truc, au passif du Mecha Gnome. C'est fort hein ce truc hein, vraiment sur les combats qui durent ou dès qu'on les enchaîne comme ça. Bon là évidemment on est tout petite, donc 14 d'agilité c'est pas... voilà. Et plus on prendra de level, plus ce sera intéressant. Et puis ouvrir les coffres, hein. Alors ça vraiment hein. Ouvrir les coffres c'est trop cool. Il y en a tellement des coffres qu'on jette. Enfin, moi je les jette pas parce que je sais qu'il peut y avoir des trucs intéressants, mais... Et je suis sûr que vous en avez jeté un paquet, hein, des coffres que vous ramassez dans les donjons, hein. Vous êtes en mode brof, flemme. Alors que dedans t'as des trucs qui valent la peau du cul. Et pas forcément du stuff hein, des granules, des... Je pense par exemple au coffre en ectofer, t'as plein de granules d'harmonie, t'as plein de minerais à l'intérieur de Pandarie qui se vendent vraiment bien. Et pareil pour toutes les autres zones, hein, de toute façon. Et si en plus t'as de la chance, tu tombes sur un super stuff là. Petit stuff à 50 000 boules. Quoique, je dis ça, mais j'ai vu que les prix, c'était bien cassé la gueule. Ça a bien calmé tout le monde. Hein, le fait que maintenant... le prix des jetons est vraiment chuté. C'est pas plus mal, en soi. Ok, il m'en manque combien là? Putain, encore 3. Et puis on verra hein, du coup, en fonction de ce que ça donne. S'il n'y a plus de quêtes, bon ben on stoppe là. Et puis s'il y a encore des quêtes, ben on continue.
Donc je vais voir en fonction ce que ça va donner. Mais si on a terminé la zone, bon bah je vais pas commencer à me barrer dans tous les sens. Spring. Non, viens pas. Je t'aime pas. Bon d'accord. Visiblement, elle, c'était pas son cas. Elle voulait mon petit bout de mécanique. Bon allez, ça c'est le dernier. Puis on se casse, hein. Voilà. Bon. Est-ce qu'il y a le rare, là? Émissaire de Glisse Rock. Il y a des coffres aussi par là, normalement, mais... pas l'air d'en avoir beaucoup. J'ai regardé tout à l'heure, mais... J'en ai pas trouvé. On n'a pas eu de chance en plus, hein, avec ce qu'on a ouvert pour l'instant. On a eu 3 items de merde. Non, je vois rien. Ah, ça me donne envie de faire des tours là pour récupérer les cristaux où on peut avoir des échanges à côté de la porte des thèmes. Mais bref, voilà. Restons calmes. Parce que vous, déjà, il y a trop de trucs à faire. Donc on va finir d'abord ce truc de sombre lune. Ensuite cette réputation. Ensuite cette zone. Et ensuite on verra. Parce que les métiers, la pêche, tout ça, plus le farm de pognon, ça va faire un peu trop... Ah non, il a encore une quête. Qu'est-ce qu'il veut? Continue de tuer notre peuple, blablabla, 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 donner une leçon, encore tuer 12... Bien sûr. Let's go. Putain, attends, mais... Sous ma gueule. Attendez une petite minute, là. Ah non. Je pensais que c'était une quête... Mais pourquoi il me la redonne? C'est une quête répétitive? Parce que ça donne 750 de réputation. C'est ce qu'on vient de faire là. Tuer 6 enchanteresses et 12 esclavagistes. On va vraiment passer un épisode entier à faire ça? Moi je crois que ouais. Hein. Tant qu'il me donne de la réputation, moi je prends. Hein. Mais ouais. Ok. Putain, on a presque plus déjà d'expérience bonus. On a tout bouffé. Pas tout miam miam. L'expérience de repos elle est déjà partie. Pourtant ça fait un moment que je l'ai laissé en ville. Putain, les PO aussi. What the fuck. Ah oui. T'en ramasses vraiment 2 PO par mob là. Oh, la perle Jagal. Je préfère les perles dorées mais... Ouais, j'ai l'impression que... Bon, on va voir. De toute façon, je vais lui re-rendre. Et s'il recommence encore, bon, ben... Ça veut dire que... Ouais, hein, on est quoi, là? On sait pas. 6000. C'est amical, ça? Je crois. Amical. Ouais, après, c'est... 12-21. Merde, je me rappelle plus les chiffres pour honorer, révérer, exalter. Je sais plus. Je suis vieux. J'ai perdu toute la mémoire. Ça y est. C'est pour ça qu'il me faut pas trop de sorts sur le chasseur et qu'on joue avec ça. Trop de boutons. Oula. Déjà, je me rappelle plus les paliers de réputation alors. Bon, est-ce que tu pourrais crever s'il te plaît là? Merci. J'ai encore 40 de tes copains à faire là. Oh, qu'est-ce que j'ai ramassé? Ah non, de la merde, c'est un parchemin. Ouais, bah allez hein. Oh, oh dommage, ça a pas crit. C'est bon. Il en manque 2, ça tombe bien, ils sont 2. Oh, ça reset, ça c'est bien ça par contre. En vrai c'est bien ça. Si, c'est fort. C'est OP en vrai même. En termes de DPS, c'est quand même très énervé le reset. Ah non, j'en ai 12 à tuer encore. Putain, c'était pas le bon. Et ouais, parce que j'ai confondu un esclavagiste et Kainaga avec un combattant et Kainaga, ce qui est absolument différent, bien sûr. C'est des Nagas, mais c'est pas pareil, tu vois. Un jour, peut-être, la race Naga jouable. Après, j'allais dire, ils ont pas de bot et tout, c'est chiant pour Transmo, mais bon, on a bien les mecs Agnum et on a bien les Draktyr.
J'ai envie de dire, c'est pas... Voilà. J'ai toujours trouvé trop stylé les nagas. Après, je sais que niveau lore, les mecs vont dire, tu sais, Goltor, voilà, c'est pas possible, c'est des méchants. C'est jamais, il peut y en avoir des gentils. Les gobelins, c'était vrai, c'était bien des méchants, hein, à la base. Quoique non, ils étaient neutres, je crois. Je sais plus. Non, je crois qu'ils étaient neutres, ouais, c'est ça. Ils étaient neutres, et comme ils se sont fait péter la gueule par l'Alliance, normal, j'ai envie de dire, en même temps, t'as vu leur tronche. Du coup, ils sont partis côté Horde, et du coup, on leur a repété encore plus la gueule. Donc là, on a double objectif maintenant, enfin, double raison de leur taper dessus. Déjà, ils sont moches, et en plus, ils font partie de l'Horde. Donc, mais en vrai, ouais, je crois que c'était une faction neutre, comme les pandas. Et juste, bah, ils étaient là au mauvais moment, bon, ils ont pris un petit boulet de canon dans la tronche, c'est juste ce qui arrive. Du coup, ils sont un peu énervés, ils ont dit, ouais, bon, go la Horde. Bon, chacun, voilà, est libre de son choix. Du coup, faut pas se plaindre maintenant. Et d'ailleurs, je déconne vraiment pas, le joueur que j'ai fumé tout à l'heure... Ça fait 2 ou 3 fois que je le croise en plus, à la foire de Sombrelune qui essaye de récupérer les coffres. C'était un gobelin. Il devait en avoir trop marre de moi. Il y a un moment carrément, il est venu, m'a vu, et j'ai vu se barrer, il a déco. Ah. Je crois qu'il en a marre de se faire fumer lui. Il a essayé, hein, mais bon. On va pas se mentir, chasseur, c'est un peu... voilà quoi. Eh ouais, donc en fait c'est ça, il me donne la quête en boucle. Bon bah go, hein, tant pis, hein. On va le faire, hein. 750 de réputation à chaque fois. Bah je prends, hein. On va monter la réputation. Devait être en mode oh putain l'autre con ça y est là avec son putain de mécagnome de mort là. Moi j'étais en mode ordre de tuer, ordre de tuer, ordre de tuer, ordre de tuer. Dès qu'il arrivait, hop là, désengagement, ordre de tuer, ordre de tuer. T'es en mode oh, vas-y mec. C'est chiant là. Un petit guerrier. Rip lui. C'est des choses qui arrivent, hein. Bon, vous savez, moi j'adore. J'adore taper sur tout ce qui crie pour la Horde, tout ça là, donc. Après en vrai, dans l'arène de Sombre Lune, peu importe, hein, si vous êtes côté allié ou pas, dès que tu rentres dedans, tu passes en rouge. Donc même si t'as des copains de l'Alliance, bah voilà quoi, t'es obligé de te friter avec eux pour récupérer le coffre. Mais bon, disons que sur un membre de l'Alliance, je fais un slash coucou. Sur un membre de l'Horde, une fois que je l'ai tué, je fais un slash serré, ce qui est, voilà, je lui fais un gros câlin quoi. Ce qui a donc d'énerver les gens généralement. Mais je suis gentil, je fais un petit câlin genre. Merde! Qu'est-ce que j'ai pris en parlant de ça? Pourquoi je suis mort? Je discute, je fais le con. J'ai pris un 4700? Ah ouais? Cercle givrant, 4763. Ce qui équivaut à 42% de mes points de vie. Ça va les mobs? What the fuck? Hein? C'est possible ça? Il tape à 100, regardez, 300, 100, enfin 165, 400, 175, 4763. Ok. Il y a eu un petit souci je crois, hein. Parce que faire péter 42% de mes points de vie sur une tarte, c'est un peu bizarre quand même à cet endroit là du jeu. Bon après ça critique, mais quand même quoi. Même si ça critique, passer de... Allez, même si je prends le plus gros chiffre, la 400, à 4700. Putain, il y a un bon stuff le mob, hein. Le mob, lui, il a pas mis chance de coup critique, il a mis dégâts des coups critiques. Il a 4000% de dégâts crit. Bon, c'est pas grave, il est où? C'est toi qui m'as tapé, là, petit bâtard? Je sais même plus. Qui c'est qui m'a fumé, là? Bah, on sait pas. Cercle givrant, on sait pas. Bah ouais, parce que j'ai 7000 points de vie. Ouais, bon. Pas grave, tant pis. De toute façon, je suis dead. Y'en a qui diront c'est le karma parce que t'as mal parlé de la Horde et tout. Le nombre de fois que je parle de mal de la Horde, si je devais mourir à chaque fois, je pense que ça serait... Non, c'est là, regardez, c'est ça là. C'est ça. Mais d'où ça fait aussi mal cette merde? Qui c'est qui fait ça? C'est toi là? Enchantresse? Je sais pas. J'avoue, j'ai pas regardé. M'en fous pas lu. Et du coup, bah. Ouais. Faut que je fasse un peu plus gaffe.
Allez hop, 250. Bon, ça c'est fait. On a déjà réussi la quête de la foire de son volume, donc cool. On pourra rendre des 250 kills. Bon, en vrai, c'est pas ce que ça donne comme récompense, mais ça donne de la réputation. Putain, ça va être long par contre, je suis en train de penser à coûte 750 de réputation. S'il faut qu'on arrive à 21 000. On va voir ça. Ouais, je revois pas de cercle de glace, donc ça doit être elle, hein. C'est les enchanteresses qui font ça, je pense. Mais putain, le sort, ça va quoi. Un peu énervé, hein. En plus, c'est passé à travers mon passif. Parce que j'ai un passif en méca gnome là. Qui fait que quand je descends en dessous de 35% de points de vie, je crois. Hop, level up. Ça me rend 20% instantanément. Donc là, ça m'a juste one shot. J'ai fait. Hop là. Plus de petits mécastos. Qu'est-ce qu'on prend? Je prendrai bien. Burrito. Ou alors, je prendrais bien. Ça emmerde un peu quand même, non? Bon, ça, hein. À toute allure. Désengagement vous libère des effets de déplacement. Enfin, affectant les déplacements, augmente la vitesse de déplacement. Ouais. Après, je l'utilise plus pour sprinter, plus qu'autre chose, parce que bon, vous me connaissez, j'ai des verres au cul, je cours partout. Mais c'est surtout. Ouais. C'est pratique en PVP par contre, c'est très fort même en PVP. Bah le petit War là par exemple qui essaie de me faire chier, qui essaie de récupérer le coffre, il est fou. Dès qu'il me fonçait dessus et qu'il voulait me ralentir, hop là désengagement. Donc j'attendais qu'il me tape, désengagement et puis bah voilà. Hein. J'avais plus qu'à spam ordre de tuer. Ouh, 3000. Hop là. Ça c'est fait ça. Donc même s'il fait son brise-genou, ou je sais plus comment ça s'appelle là, le sort, eh ben t'es pas trop emmerdé. Parce que grâce à ça, non seulement tu mets de la distance, mais en plus tu cours comme un fou. Et lui pendant ce temps, il a deux petits poulets là, qui picoraient le fion. Faudra qu'on change de famille d'ailleurs. Bon voilà, c'est fait. C'est fait. On va vérifier, mais ouais, c'est ça. Hein. Là, je vais lui ramener ça, il va me dire merci, il va me donner 750 et on recommence, hein, encore et toujours. On va voir. Voyons, réputation. On est amical, c'est ça. Donc on aurait révéré après. Ah, ça va être long, hein. Donc il faut qu'on le fasse encore deux fois. Pour passer honoré. 12 esclavagistes, écailles sanglantes et 6 enchanteresses, c'est ça. Enchanteresses. Si les enchanteresses, monsieur Coltor. Je vais rendre la quête. On va finir sur ça. On fera le spam de réputation sur un autre truc, je pense. Et au pire. Attendez. Voyons. Comment ça s'appelle ça? J'ai encore oublié, hein, parce que le poisson rouge, bien sûr, mais. Sport fertile. Ça peut se vendre. Au pire, on va voir s'il n'y en a pas à l'HV. Parce que si je peux lui donner pour monter la réputation, faut qu'on rende la quête à la foire de sombre lune aussi. On va voir. Parce que tant qu'à faire, je vais pas me faire chier. Si je peux contre aller 2000-3000 balles, me retrouver à économiser 4 heures de farm, bon. Voyons. Enfin, tout dépend si les gens ils vendent bien sûr à un prix débile. Sport, fer. Qu'est-ce que j'ai écrit? Fertile, s'il vous plaît. Ah ouais, 80 balles l'unité. Vous voyez ça par exemple? Je prends pas. 80 balles l'unité. Ça veut dire que si je veux acheter ça là, j'en ai pour 19 000 PO. On va vraiment pas faire ça. Genre vraiment pas du tout. Putain, mais je croyais que les prix s'étaient cassés la gueule. Ou on est tombé sur un truc à la con? Attendez. Voyons.
armes. On va chercher avec l'e-level le plus haut là. 750 000, bon, ça c'est des gens qui ont fumé de l'ail bien sûr. Ah, parce que c'est du stuff, ouais, transmon. Sinon, on vient 424. 424 e-level ? Putain, oui, bah oui. C'est vrai qu'on est en fin d'extension, quoi. Ok. Putain. Après, 424 e-level, 900 balles, c'est vraiment pas cher. Hein. C'est vraiment pas cher. Hein. 467 ? Attends, quoi ? Ah oui, mais il n'y a rien au-dessus parce que ça se craft, c'est vrai. En armure peut-être ? On va voir un petit peu plus en armure. Ah oui, voilà, 483 e-level. Combien ça coûte du coup les trucs de fou furieux là ? 139 000. Mmh. 185, 240. C'est pas si cher que ça. 483 e-level pour 200... Allez, on va dire... le moins cher, c'est 140 000. Plus cher, 380. Toujours plus, mais... Après, c'est fin d'extension, mais il y a des trucs qui montent à des millions, normalement. Hein, même quand t'as du loot comme ça, lié qu'un équipé de raid. En mythique, surtout. Ça, c'est du mythique, j'imagine. 483 ? Je sais même pas trop, oui. Non, pas ça. Oh ! J'ai des sous à aller chercher. On va aller voir ça. Comment attirer mon attention ? Saison actuelle, non. Bah si. C'est ça. Amidrasil, mythique, butin. 486, donc c'est ça. 483, 483, 483, ok. Il y a du 483 en raid mythique. C'est le plus haut level. 139 000 balles pour avoir... franchement, c'est pas cher. Hein. Après, est-ce que c'est... Putain, 2775 d'endu. Les stats, quoi. Je sais pas trop. Ça fait pas assez longtemps que je suis revenu sur le jeu pour savoir un peu, là, le... 457. 457. 70k. Je sais pas trop encore. J'arrive pas trop à me rendre compte. C'est que je reste... Là, ça fait trop peu de temps que je suis revenu sur le jeu pour savoir. Conteneur, sac... Emplacement. J'ai dû combien ? J'ai eu 34. C'est le plus gros. Y'a pas plus gros ? Ah ouais ? Ok. Sac de compo. 36. J'ai un 36. Ok. Après, y'a pas des sacs. 30 emplacements. En épique. Juste pour faire joli là, pour faire le kéké. Ah oh, bah attends, c'est quand même beaucoup d'emplacements en moins quand même. Donc non. Et puis vas-y le prix. Quoique celui-là, il est pas cher. Sac en trame sort. Sacoche royale, c'est joli le nom. Est-ce que j'ai vraiment envie de perdre 16 emplacements? Juste histoire d'avoir des trucs épiques. Après, vous savez ce qu'on dit, hein, la transmo, le style, voilà quoi. Des sacs gigantesques à 20 000 balles là. Non. Là par contre, c'est trop bave. Hein. Ouais, bah écoutez, je pensais qu'il y avait plus que ça. Après, il y a peut-être des crafts à faire. Voyons, divers, montures. Non, pas beaucoup, hein. L'arrêt de la grande mère, serviteur de Gronus, évidemment. 180 000, c'est pas... Je pourrais me les prendre en vrai. Ça ferait 600k. Ouais, non, ça fait trop cher. On ira les farmer, hein, plutôt. Je sais comment les farmer, en plus. Bon, celles-là, elles sont pas farmables, par contre. C'est pour ça qu'ils sont à 2 millions et 3 millions 5. Et je t'en vaux. Ouais, je t'en vaux 350k. Et c'est quand même pas mal, hein, 350k en vrai. Putain. Prix d'un jeton. Ok, bon, bah, écoutez... En plus, il y a la monture du Hurlevent là qu'il faut qu'on s'achète. Elle est où cette monture du Hurlevent là? Attendez. On va récupérer ça là-bas. Hop! Tadam! Est-ce que j'ai le truc à m'acheter? Bien sûr que non, je pense. Ah, j'ai que 240 donc c'est même pas là. Même pas en rêve. Ouais, ouais, tranquille. T'inquiète, popieta.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ha! J'hésite à faire plein de trucs, je suis désolé. On va rendre la quête à la Fort de Sombrue. On va faire ça. Bonjour. On se voit plus tard. On va rendre la quête à la Fort de Sombrue, déjà. Temp. Déjà ça. Comme ça, ce sera fait. Il faut que je regarde comment on récupère ces spores. Enfin, c'est. Peut-être j'ai déjà oublié le nom. Spores fertiles, c'est ça? Oui. Voir déjà comment on les récupère. 80 PO unités, putain, c'est abusé. Et par combien on peut les rendre aussi? Et combien de réputation ça nous donne? Enfin bon, voilà, beaucoup de questions. Parce qu'en vrai, si on en a besoin que très peu pour débloquer le palier ou un truc comme ça, ça peut être intéressant peut-être. Hein. Que la journée soit bonne. Adieu. Merci. Voilà. On n'a rien de plus à faire ici, hein, je vérifie, mais... on a juste les quêtes journa classiques. Bon bah lui, il faudra attendre 15 heures. Non, on n'a rien de plus. Non mais au pire mesdames et messieurs, vous savez quoi, on va s'arrêter là hein. Ce sera un épisode 11 un petit peu hybride parce que je sais pas trop comment monter cette réputation. Est-ce qu'il faut qu'on farme, est-ce qu'il faut qu'on truc, est-ce que voilà quoi. Et je vais me renseigner au pire. Et on se retrouve pour des épisodes bonus. On va faire ça comme ça. On va faire ça comme ça. Je pense. Parce que là, je me dis que... on a fait quand même pas mal de quêtes. On est parti dans plein d'endroits. On va dire que ça reste dans le truc de l'avancée du personnage. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai quand même pris beaucoup d'XP. Voilà, voilà. C'est de la progression. En gros, c'est comme ça que j'essaye de différencier... les épisodes classiques des épisodes bonus. Est-ce qu'on progresse dans le personnage ou est-ce qu'on progresse pas? Même si à la fin, bon... à la fin... à la fin, on les gouvernera tous. Non, à la fin, de toute façon, il y aura... il y aura que des épisodes classiques, mais qui seront des épisodes où on fera tout et n'importe quoi, sans forcément faire progresser le personnage. En attendant la sortie de l'extension. Mais ouais, hein, on va faire ça. On va s'arrêter là, mesdames et messieurs, c'est ce qu'on va faire. Voilà, c'est décidé. On s'arrête là pour cet épisode. Prochain épisode, ce sera un bonus, très clairement, parce que j'ai trop de trucs à faire, j'ai trop de trucs que je veux faire. Là, il n'y a pas la plume, c'est pas encore, je crois. Il faut se mettre en PVP, il me semble. Pour l'Alliance. Pourquoi j'ai fait un... ah oui, parce que c'est un gnome. Les emplacements à la con, on va voir ça. Il n'y a pas la plume. Mais je crois que je suis pas assez haut level. On va le désactiver, on l'active, on laisse activer. Je pense qu'en laissant activer, on verra plus de choses et on pourra se taper avec les gens, on gagnera plus de comment ça s'appelle, de... on aura plus d'XP, plus de plein de choses, donc ça sera cool. Allez, mesdames et messieurs, c'est décidé. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve dans le prochain épisode. On a plein de trucs à faire, il faut qu'on fasse de la pêche, il faut qu'on fasse des hauts faits, il faut qu'on monte la réputation, il faut que je continue la Fort de Sombre Lune, il faut qu'on aille récupérer les mobs qui sont planqués un petit peu partout pour les esprits des bêtes, pour monter la collection du chasseur. Hein. Ouais, on a de quoi faire, donc on verra ça dans le prochain épisode, il faut que je refasse mon arbre de talent, bon voilà, voilà quoi. Je vous fais des gros bisous en tout cas mesdames et messieurs, j'espère que cet épisode vous a plu, c'était un épisode un peu confus, désolé, mais bon. Voilà, on avance tranquillou, bilou, on fait des trucs, on kiffe. Voilà, voilà. Des bisous, à la prochaine, et ciao, ciao!